Okay. Yo les gens, c'est Fer, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai la tête dans le cul, il est 7h du matin. C'est le grand jour, on est samedi 10 septembre si je dis pas de bêtises. C'est une date assez importante pour Assassin's Creed parce que vous le savez déjà, vous avez déjà vu l'Ubisoft Forward. Il y a eu une tonne d'annonces sur Assassin's Creed, que ce soit Assassin's Creed Exe, Assassin's Creed Red, Assassin's Creed Mirage et j'en passe encore des meilleurs. Avec le reste de la team, donc Max, Eval, malheureusement Fab ne peut pas venir et puis deux potes à moi, bah on va se diriger vers chez Ubisoft tout simplement à Saint-Mandé dans leur studio pour vivre l'événement en direct, ça va être super cool. Ce qui est sûr, c'est que vous aurez les backstage de l'Ubisoft Forward pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc bah sans plus tarder, on prend la route et on se retrouve à Paris avec les autres. Bon les gars, on se retrouve, du coup on a été rejoint par Maxime qui nous vient du sud, qui a fait un petit peu de route pour nous rejoindre. Salut Maxime. Salut Val, comment vas-tu? Bah écoute, ça va impeccable, j'ai hâte d'être à ce soir et... Ah mais merde. Du coup, je disais super hâte d'être à ce soir, ça fait un petit moment qu'on attend ça. Bah carrément. Et puis surtout, putain, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu mec, ça remonte à quand? Bah la sortie de Valhalla. Du coup là, toute la team est enfin réunie, ça fait super plaisir. Et vous l'avez vu, j'ai pas les mains vides, on va aller tourner une petite FAQ. On va aller tourner une petite FAQ dans un parc qui est pas très loin pour répondre à toutes les questions que vous nous avez posées il y a pas très longtemps sur Twitter et Instagram. On vient de tourner la FAQ qui a duré une bonne trentaine de minutes grâce aux questions que vous nous aviez posées. Du coup, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rejoindre les autres pour le Ubisoft Forward, on va rejoindre les autres star players qui sont invités à l'événement. Ubisoft Forward, motherfucker. Du coup, on est dans les locaux d'Ubisoft avec une nouvelle personne. Ouais. Nouvelle. Une tête connue quand même. Bonjour. Pas nouvelle personne dans le sens où ouais, il n'était pas là jusqu'à présent. Donc là, on a tous les star players en gros. Ouais. Comme le dit Max, on est dans ce hall d'Ubisoft, le QG d'Ubi à Saint-Mandé. On nous a appris qu'on aurait des activités qui sont ici, sur ce petit carton. Et en fait, chaque petite icône qu'il y a dessus, c'est une activité à laquelle on va participer. Alors on sait pas encore exactement ce que c'est. En tout cas, la soirée s'annonce plutôt cool. Et ça te fait quoi de revenir sur la chaîne après 2 mois? Bah, je suis content de revoir les gens. Je suis surtout content de vous revoir vous. Et puis, je dis que je suis content de les revoir, tu vois, mais en fait, ils font les pites derrière la caméra. Donc voilà quoi, il y a de quoi faire. Non, je suis content. Je suis content de revenir. En fait, il y a plusieurs activités, dont le saut de la foi. En fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un espèce de petit carnet à tamponner. Donc il y a plusieurs animations. Il y a un stand de Just Dance. Alors, on se trouve dans le coin AC avec toutes les tenues. Comme vous pouvez voir là, juste derrière. Comme vous pouvez voir, c'est une dinguerie. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, Max. On a toutes les tenues de tous les assassins. Vous aurez des plans, juste bon, désolé pour la musique, mais vous avez des plans de vraiment toutes les tenues. Là, on a Edward. Si tu veux bien montrer à la caméra. On a vraiment tous les assassins. On a du Cassandra, du Alexios, du Ivor, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed 1. On a vraiment des. Et là-bas, oui, on a les emblématiques. On a vraiment plein de trucs. On a aussi des écrans ultra animés, c'est vraiment ultra stylé. Ah ouais, ouais. De toute façon, vous allez tout voir. De toute façon, vous allez voir là, c'est. Vraiment tout, c'est vraiment une dinguerie. Une réplique totale, on nous a dit de pas rentrer les armes métalliques, ça je suspecte que ce soit un petit peu métallique. Et là, juste derrière, on a un petit écran animé juste là.
avec des concept art d'un peu tout l'AC. Tout à l'heure, il y avait du Odyssey, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ça défile. Bon, là, on est sur du AC 3. Donc, c'est vraiment, ça tourne, c'est du Assassin's Creed et il y a tout l'AC qui passe dessus. C'est vraiment une dinguerie. Incroyable. Du coup, on a le plaisir de croiser Johan. Salut Johan. Ça va et toi? Ça va. Je te sens un peu stressé. Oui, effectivement. En fait, tu nous avais proposé de dessiner des personnages d'Assassin's Creed. Effectivement. Et Maxime, qui est derrière la caméra actuellement, il avait demandé que tu fasses Edward. Et je suis désolé, mais le résultat, il est incroyable. C'est très juste, gentil. C'est vraiment, oh vraiment, c'est une tuerie. On dirait que c'est un truc de... d'un mec de chez Ubisoft. Bon, ton travail est super. Ubisoft, regarde la vidéo, embauchez-le. Embauchez-le, non mais clairement, embauchez-le. Et du coup, est-ce que on peut te suivre quelque part pour les gens qui voudraient suivre ton travail? Oui, alors sur Instagram et Twitter. Ouais. Du coup, n'hésitez pas à aller le follow en masse, c'est insane son taf, ça demande des heures de taf. Donc allez-y en masse. Franchement, qu'est-ce que t'en penses jusque maintenant, Val, de tout ce qu'on a vu? Alors, je le rapproche un petit peu parce que j'ai peur qu'on m'entende pas. Incroyable, on rencontre plein de monde. C'est un truc de fou, il y a pas mal d'animations, il y a une bonne ambiance. On a vraiment, vraiment hâte d'en apprendre plus sur ce qui nous intéresse, en l'occurrence Assassin's Creed. On vit un rêve de gosse, quoi, clairement, encore une fois, et c'est un truc de fou, vraiment. Tous un peu fatigués, je pense, là, de la soirée qu'on vient de vivre. C'était... Bah, en vrai, vous avez pas tant d'images que ça. Assez exceptionnel. Il y a des images, mais on a vraiment voulu profiter un peu quand même. Quand même, il y a plein de choses. Hein. Il y a plein de choses, mais... Hein. Après, je pense qu'on a quand même fait les activités les plus intéressantes. Mais à côté de ça, on s'est quand même vraiment emmerdé pour faire des beaux plans. Ouais. Faire des beaux trucs. Vous avez des dingueries sur Bassim, genre le cosplay. Vraiment. Insane. Il est incroyable. Je pense que pas beaucoup de créateurs de contenu ont pu filmer des trucs comme ça. Donc en vrai, c'est super stylé. Et puis on a quand même rencontré le papa, le grand patron. D'ailleurs, c'est pas nous qui allons faire l'outro. Là, on est juste là pour vous faire un petit recap de la soirée. On a une petite surprise jusqu'à la fin pour le Time Watch. Donc, restez jusqu'à la fin. Franchement, ça vaut le coup. C'est de l'or. C'est incroyable. C'est de l'or en barre, ce qu'on a fait. C'est incroyable. Donc là, on a le contre-coup qui arrive. On voulait faire un seul vlog, mais il y a tellement de contenu pour le premier vlog que bon, on va en faire deux. Ouais. Avant de laisser une personne conclure la vidéo pour nous, moi j'ai un petit truc à vous proposer, ouais. Genre tous, c'est de noter sur 10 cette journée. 9. Ouais, 9-10 quoi. 9-10, ouais. Tu peux jamais vraiment être parfait, c'est ça. Toujours des améliorations. Moi franchement, en tant que fan d'AC, en tant que joueur de base, en tant que simple joueur, en tant que simple fan d'AC, et en tant que créateur de contenu, c'était une opportunité incroyable. Après, tu vois, moi je dirais 10 par rapport à la dernière scène qui arrivera dans la vidéo. Oui, ouais, c'est improbable. Rien que ça, improbable. Je pense que c'est exceptionnel. C'est improbable. Ouais, moi je mettrais 9 parce que je suis déçu. Arrête. Je suis déçu. Il y a un petit truc. On n'est pas eu de gameplay. Juste un thriller de gameplay. Un peu de frustration, ouais. Du coup, avant de clôturer la vidéo, je tiens encore une fois à remercier Johan. Vous aurez le lien de ses réseaux sociaux dans la description. Ouais. Il nous a fait des dessins de malade. Ouais, et puis un merci à tous ceux d'entre vous, même si vous n'avez pas été ultra nombreux à venir, on a dû voir une petite dizaine de personnes, je dirais. Merci à ceux qui sont venus, qui nous ont dit bonjour, même si c'était pas pour échanger des masses, ça a fait plaisir. Ouais, c'est tout nouveau pour nous, plaisir, ça fait plaisir. Quoi. Carrément. En gros, ce que Val essaie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est qu'il espère que vous allez kiffer le vlog parce qu'on s'est donné du mal. Et puis nous, on coupe de notre côté. Yves, c'est à toi. Ouais, abonnez-vous à la chaîne Assassin's Creed Experience. Merci beaucoup.